Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Own Universe Deluxe Class. Une figurine sensationnelle. Bon, je vais déjà commencer par... comme vous voyez, c'est une belle Jeep de l'armée. Pas futuriste. Qui représente une vieille Jeep de Deuxième Guerre mondiale. Mais si Own aurait été fait aujourd'hui, c'est ce qu'elle aurait ressemblé. Moi, honnêtement, là, je déteste la couleur. J'adore ce moule, je déteste la couleur. Je le regrette, j'aurais dû acheter le NK, le Takara, le United, appelez ça comme vous voulez. J'aurais dû acheter la version japonaise, que la couleur, elle est comme dans G1. Puis en plus, il y a des lignes jaunes sur le capot, carrément comme le jouet G1. Fait que cette figurine-là, là, wouh! En tout cas. Bon, on voit déjà la couleur, vert pâle. Vraiment, c'est un jouet, là, tu sais, je veux dire, j'aurais aimé ça avoir une couleur plus sombre, mais c'est pas plus grave que ça. Bon, une petite Jeep de l'armée, signe militaire, des phares bleus light piping, aussi des petites lumières jaunes, un pare-choc peinturé gris, je dirais pas chromé, là, non, ça l'est pas, un petit gris foncé, les filets, comme on peut voir dans les films Jurassic Park, bon, aussi le grillage noir. Et derrière le grillage noir, c'est ce qu'on voit. On voit peut-être mal. Du light piping aussi. Signe Autobo ici. Rocket ici. Qui représente bien le personnage. Une petite gamique ici. Ils ont décidé de vendre ça avec Ravage. Moi, j'adore. Je trouve ça vraiment cool. Parce que Cyclonus vendait avec Nightstick son Target Master. Mais lui, ils ont décidé de vendre ça avec Ravage en hommage au premier film. Au premier épisode, un des trois premiers épisodes, le pilote de G1, Mort Ami dit B.I., parce que on y capture Ravage à un moment donné, fait qu'ils ont décidé de mettre une petite gamique qui était juste rajouter des picots. Bon, comme vous voyez, je vais sortir Ravage. Et bon, c'est ça les petits picots, on peut les redresser ou. Mais aussi, on peut les mettre. Ça, c'est une cassette autoscout, comme on appelle. La troisième partie, il peut être très bien transporté. Et ça, c'est Laserbeak G1 qui peut lui aussi transporter, mais il faut juste plier un peu les petits picots pour que. En plus, c'est trois les deux trous. Fait qu'il faut juste mettre ça comme ceci. Et on a à peu près notre. Peut transporter aussi une cassette G1. Fait que c'est vraiment génial. Bon, je vais ôter. Déjà enlevé, on remet les picots de même. Bon, une petite Jeep, une place derrière. Ben pour placer des humains. Je veux dire, derrière les bancs, il y a une place pour mettre les roquettes. Puis, en tout cas, c'est vraiment génial. Derrière, des phares teints. Des roues, pas vraiment peinturées. J'aurais bien aimé essayer d'avoir des jantes, mais c'est pas plus grave que ça. Une belle couleur. Gris comme à peu près celle-là, mais je sais pas si c'est le soleil qui reflète, mais celle-là est c'est à peu près la même couleur avec aussi le lance-missile. Fait que c'est pas un petit gris plastique d'aujourd'hui qu'on a souvent, pâle. Moi, sérieusement, j'aime beaucoup ça. C'est les vitres teintées, trois lumières jaunes, à peu près ça. Vu d'en dessous, la pièce de robot, aucun. Ça, c'est les bras qu'on voit. Ça, c'est le bas du torse qui se plie de même. Les jambes sont ici qui se replient. Fait que c'est vraiment génial. Caché robot, quand même génial. Bon, on va vous comparer aussi à son chum de gars du premier épisode. Quand il part en reconnaissance, clip jumper classique. Que lui aussi a un upgrade, mais ça, c'est une autre histoire. J'aime bien ce duo-là. On va placer ça de même. Puis on va décrire le petit Ravage, qui est une cassette. Vu de ce point de vue-là, il aurait dû être teint. Moi, j'aurais bien aimé ça peinturer ou mettre des collants comme dans G1 pour qu'il forme une vraie cassette. Mais, ou l'autre bord, mais c'est pas plus grave que ça. Bon, la petite transformation est bien simple. On plie les jambes comme ça.
Ici, on retire la tête. On plie les jambes comme ça. Et comme ça. Et nous avons. Et on fait juste ça. Replier les jambes. Et nous avons notre ravage classique. Que j'adore. Petite figurine classique. Bien d'ordinaire. C'est les petites roquettes qui auraient dû être peinturées, malheureusement. Mais ravage, une tête de ravage. Moi, il me plaît bien pour un petit classique. J'aurais bien aimé avoir les autres. J'aurais aimé ça avoir un Soundwave classique. Je sais qu'il y a le Masterpiece, là. Mais j'aurais aimé ça tellement de l'avoir, là. Puis j'avais oublié de sortir sa petite queue. Voyons. Ah, c'est l'autre bord. Comme ça. Bon, fait qu'on a un petit ravage. Ce qui est stupide aussi, les roquettes, quand ils partent, ben... Vu d'en avant, il tire direct sur ses jambes d'en avant, fait que c'est vraiment stupide. On peut aussi mettre ses roquettes là, mais moi je l'ai pas joué, fait que ça sera pour une autre fois. Bon, placé comme ça. Bon, on va revenir là-dessus. Je vais commencer la transformation qui est bien simple. On enlève la roquette, on a replié les mains ici. Bon. On plie ça comme ça, on a déjà les jambes, ils sont déjà replacées. Bon, et on fait juste remettre ça comme ça. Bon, ici les pieds, pour les mettre droit, on peut les... comme ça. Comme ceci pour sortir les bras. Bon, les bras font ça. Ça comme ça. Ici le torse, on le replie comme ça. Et nous allons transformer... cette pièce-là, comme ça en avant. Comme ça. Comme ça, voyons. Comme ça. Comme ceci. Et on a déjà le torse. Et on relève la petite tête comme ça. Les bras en forme de poing. Comme ceci. Bon. Derrière ici, on a déjà les derrières de siège. On fait juste les replier comme ceci. Et comme si de rien n'était. Et les roues derrière. Bon, je sais plus c'est quoi le mode qu'on monte dans la. Dans la petite feuille, là, voyons, l'instruction. Mais moi, j'aime les mettre comme ça. J'aime les mettre comme ça. Avec la tête de honte comme ça. Bon, la roquette aussi, faut pas oublier. On peut le mettre soit sa main, comme ça. Mais moi, je trouve ça un peu laid. Vraiment, là, c'est parce que son mode, son arme de son petit canon. Ou on peut le mettre comme ceci, comme dans G1. Que vraiment, elle ait sa place. Mais ce qui est dommage, c'est que ça clipse mal. Ça clipse vraiment comme ceci. Et on ramène. C'est comme si, voyons. C'est comme si la roue le faisait qu'elle pouvait pas... À peu près comme ça. Fait que la roue empêche le lance-missile de s'enlever, de sauver. Comme ceci. Bon. Et nous avons notre ravage avec Hound Classic Universe. Bon, la description de Hound, bien entendu, son torse, le devant du char devient son torse, fait que toutes les mêmes descriptions. Ligne jaune, comme je vous parlais des lignes jaunes tout à l'heure, j'aurais aimé ça avoir un petit plus doré, plus jaune foncé, pas plus grave que ça. Cette jouet-là est une perfection, ok? Moi, je l'adore comme ça se pouvait pas. Puis, il y a aussi une petite affaire, les rouges, je disais de même, mais on peut les mettre d'une autre manière que moi, j'aime mieux. Ça fait un peu, je dirais... Je sais pas pourquoi je dis ça, mais ça fait un peu War for Spartan, Fall of Spartan, des roues de même, moi, je trouve. Mais, en tout cas... Bon, bien entendu, la roquette, elle retient pas, fait qu'elle tombe rapidement, mais, tu sais, ça nous empêche de voir les roues de derrière. En tout cas, pour les gens, moi, j'aime mieux de même, finalement, mais, en tout cas... on en replace comme ça. Voyons. Bon, dites Chris de lance-roquette à la marde. Excusez-moi pour ça, mais commence vraiment à être agressif. Une pièce que j'adore aussi, c'est les pieds. Les pieds, là,
Vraiment, là, on peut les articuler comme ça pour y faire des passes, comme ceci, comme ça. Ben là, c'est un peu laid, là. Mais on peut vraiment, vraiment y faire des belles passes, des belles prises. Ils sont quand même, tu sais, le degré de des pieds sont vraiment les plus réalistes, là. C'est, je pense, c'est la figurine qui a les meilleures articulations des pieds, à mon avis. Vraiment que j'ai, là, tous les universes, là, même ça dépasse Mirage, en tout cas. Bon, aussi, une chose que j'aime moins, le fait que le torse ait les roues derrière, ben, ça fait que ça tourne. Ça fait que ça tombe par en arrière. Vous voyez un peu, je vois de côté, là. Ça fait vraiment que ça n'aurait pas de pencher. Faut vraiment le placer, gars, là, c'est correct, là. Mais sérieusement, c'est ce qui gosse le plus. Une figurine à mettre derrière toutes les autres, dos au mur. Vraiment dommage, mais bon. Donc, est-ce qu'il aurait pu faire mieux? Ben, les roues auraient pu peut-être replier ici d'une manière dont... pour pas trop... peut-être replier dans le torse ou un peu comme ben des Transformers. Ou peut-être... je sais pas, non. Vraiment replier dans le torse aurait été un petit peu mieux. Mais bon, Homme a quand même un très beau visage carré, puis ses yeux, c'est du light piping bleu. Vraiment, vraiment, moi j'adore, ok? À peu près ça comme description. Moi, j'ai fait des petits costumes, c'est pas des costumes, je reste pas des figurines, mais c'est un fusil de. C'est un, pour mettre des épées de Wingsamber Cybertron et un fusil G1, et ça forme, si on éclipse les deux, ça forme un beau gros fusil d'assaut. Et c'est l'arme de prédilection de Home que je mets dans ma figurine. Sur mon étagère. Fait que oui, Home est vraiment armé. Bon, je vais vous le comparer à son partner de G1 que je vous ai montré tout à l'heure, Cliffjumper. Cliffjumper qui est assez petit, qui représente un mini-bots. Puis Home qui représente un Deluxe assez normal, un robot assez grand, plus grand. Beau petit duo, belle petite couleur. Articulation, la tête sur un bas-joint, 360 degrés aussi. Bon, même chose, les bras, comme ça aussi. Au coude, pas au poing par contre. Même chose l'autre bord. Pas du torse, même pas. Mais aux jambes, oui. Ici, au bassin, bien entendu, au PC. Ce qui est cool ici, 360 degrés, ici, direct aux genoux. Le genou qui se plie, puis le pied qui fait juste ça, et bien entendu le pied qui a un certain degré peut former une belle prise de qu'on peut mettre sur les étagères. Bon. Au final, c'est une figurine qui en vaut la peine? Absolument. Absolument, mais achetez-vous la version japonaise pour avoir un Home parfait, un Home classique parfait. Je sais pas c'est quoi les prix de Home, malheureusement. Moi, je peux garantir quand même que c'est une figurine qui peu importe le prix, il en vaut la peine. Version japonaise en premier. Sinon, pognez-vous la version américaine, mais vraiment la japonaise en premier. Bon, sur ça, je vous remercie. Puis la prochaine revue va bien entendu. Obi-Wan vient chez nous cette semaine. Je vais faire la superbe revue que ben du monde lui avait demandé, Omega Supreme War for Cybertron du 3e party. Et ça va être une grande revue et une longue revue sûrement. Fait que sur ça, à la prochaine.